Bonjour les amis, bienvenue sur Muralis Cuisine. Eh oui, Muralis, c'est moi, le beau gosse. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ensemble une petite recette de sardines. Eh oui, des sardines frites, avec une touche indienne, bien sûr. Franchement, les amis, c'est une recette super rapide. Une fois vidée, nettoyée, même pas 10 minutes. Donc, je vous explique tout ça, étape par étape. Alors, suivez-moi. Allez, c'est parti les amis, c'est parti. Donc là, j'ai pris 15 sardines vidées, lavées, grattées, nettoyées, c'est propre. Prévoir de l'huile pour la marinade et aussi pour la friture. J'ai pris une bonne cuillère à soupe de farine, farine de blé, que je vais venir en mettre comme ça, là, un peu partout. Dans la foulée, donc je vais vous montrer d'abord, une bonne cuillère à soupe de paprika, très peu de curcuma, du sel pour le goût, et là, une cuillère à café de cumin en poudre. Je vais venir mettre l'ensemble comme ça. Allez, finalement, je prends un grand bol là. Ouais. Allez, hop, je mets la totalité dans le bol. Et hop, puis je vais venir mettre quelques gouttes d'huile comme ça. Ah, oh, c'est deux cuillères à soupe d'huile même. Voilà. Je vais venir bien mélanger l'ensemble. Alors, la farine, c'est pour donner un petit côté croustillant, les amis. Voilà, je vais venir bien mélanger l'ensemble, les amis. Allez, c'est parti, les amis. Vous voyez? Voilà. On essaye même de faire pénétrer les épices à l'intérieur, vous voyez, comme ça. Faites ça à la main, les amis, je vous dis. C'est plus facile, c'est plus simple à la main. Avec une cuillère ou quoi, franchement, les amis, on ne peut pas viser l'intérieur. Vous voyez? Là, il faut les doigts. Voilà, comme ça. Franchement, c'est une recette super rapide. Une fois vidé et nettoyé, tout ça, top chrono, les amis. Même pas 10 minutes. Voilà, comme ça. On va attaquer la friture tout de suite. Si vous voulez, vous pouvez laisser ça dans un petit coin tranquille, une petite demi-heure, 20 minutes, une petite demi-heure. Mais franchement, là, pour cette recette, vous pouvez même attaquer la friture tout de suite. Hop là, les amis, moi, je vais attaquer la friture tout de suite. Donc, dans une casserole, je fais chauffer suffisamment d'huile. Un peu plus, un peu moins. Franchement, les amis, c'est à vous de gérer. Hop là, les amis. Une fois que l'huile est bien chaude, je vais attraper les poissons par la queue, là, comme ça. Une par une. Voilà, comme ça. Voilà mes sardines, les amis. Voilà mes sardines, tranquille. Je vais venir les plonger dans l'huile, là, tranquillement, tout en les espaçant, bien sûr. Vous voyez, je vais faire ça en deux, voire en trois fois, les amis. Voilà, de ça. C'est parti, les amis. Alors, la durée de cuisson, j'ai dit bien environ 2 à 3 minutes de chaque côté, tout en les retournant de temps en temps. Hop là, les amis, pendant la cuisson, je vais venir les retourner plusieurs fois, les amis. Au moins deux fois. Voilà, comme ça, vous voyez. Tranquillement, avec une fourchette, c'est plus facile qu'avec une cuillère. Voilà, comme ça. Hop. Franchement, les amis, c'est une recette super facile, super rapide. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Voilà, les amis, j'ai retourné la totalité. Allez, c'est parti les amis, pour les dernières minutes, je vais venir les retourner à nouveau une dernière fois. Voilà, comme ça, toujours à l'aide d'une fourchette les amis, c'est plus facile. Sinon, on risque de les casser avec une cuillère ou quoi, on risque de les casser. Déjà qu'avec une fourchette, c'est un peu compliqué. Voilà, mais je fais ça bien quand même les amis, regardez-moi ça. Hop. Hop. Ah, ça y est, je commence à sentir un peu le côté croustillant, les amis, sur un côté. Hop. Allez, c'est parti, les amis. Là, on voit bien que c'est bien doré. J'ai les égouttes et j'ai les sorts. Franchement, la durée de cuisson, 2 à 3 minutes de chaque côté, les amis. Après, un peu plus, un peu moins, c'est à vous de gérer. Hop là, c'est parti pour le deuxième tour. Deuxième et dernier tour, les amis. La même procédure, la même durée, voilà, voilà.
2 à 3 minutes de chaque côté, tout en les retournant de temps en temps, les amis. Ouh là 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 là, les amis, voilà mes sardines bien croustillantes. Et oui, regardez-moi ça, vous voyez les petites croûtes là, c'est ça la farine en fait, vous voyez. Ça va vous donner un côté croustillant, franchement une recette super rapide et une super bonne recette les amis. Avec une petite salade, avec des grillades, franchement voilà quoi, des frites, un peu de semoule, un peu de riz. Franchement ça va avec tout, même en mode apéro, vous voyez. Avec une petite bière, un petit whisky, les amis, franchement, ça vaut le coup. Les amis, mais regardez-moi ça, aïe, 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 comment ça croustille bien, regardez. Allez, c'est parti, place à la dégustation, les amis. Ça croustille bien. Même la tête, ça se mange, la queue, ça se mange. Tout se mange, en friture, tout se mange. En plan apéro, avec ce que vous voulez, les amis. Ça passe très bien. Et puis les arêtes, c'est pas dangereux. Donc, même pour les enfants. Hop. Franchement, c'est un bon plan. Même avec des frites, des choses comme ça. Franchement, voilà quoi. Une super recette, les amis. Donc, si vous avez kiffé la recette, un petit pouce bleu vers le haut. Partagez, surtout abonnez-vous à ma chaîne. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.